Bonjour mes chers amis du signe de terre, les trois signes de terre que sont les taureaux, les capricornes et les vierges. J'espère que vous allez tous très très bien. Le décor est inhabituel, c'est vrai, hein, je vous tourne ces vidéos d'un autre endroit et du coup je n'ai pas tout mon matériel avec moi. Mais mon petit tarot ne me quitte pas, celui-là par contre. Et on se retrouvera avec le décor habituel très bientôt. Mais pour l'instant, il fallait absolument finir ces coupes. Alors les coupes, pour vous, évidemment, c'est la coupe de terre. Hein, vous qui êtes taureau, capricorne et vierge. J'espère que vous allez vraiment très bien. On va regarder pour nous, les amis taureaux. Alors, on a des personnes ici en signe de terre qui ont des choix à faire. Vraiment important, parce qu'on a retenu beaucoup, beaucoup là, hein, on a retenu un petit peu trop. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très ancien, mais il y a une frustration, il y a comme une évidence que quelque chose a été un peu long, un peu trop long. Il y a quelque chose par rapport à une maman, notamment, qui devait prendre sa place, ce qui n'a pas été fait, et qui maintenant, en cette période de fin du mois de septembre, va devoir être réglé. Je ne sais pas exactement quand ni ce que c'est, mais peut-être discuter avec elle, simplement, lui faire comprendre ce qui a été difficile pour vous ou ce qui a été peut-être important, qu'elle le sache en tout cas. Il y a comme un secret, quoi, quelque chose qui n'a pas été dit et qui doit se dévoiler. On verra tout à l'heure si, pour aller plus loin. Mais pour l'instant, voilà. On a quand même 2 et 6, 8, qui est une valeur de 2 fois 4, 8, hein, de travail et de rigueur. Pour moi, ça a à voir avec un travail que vous avez fait qu'elle n'a pas reconnu, ou quelque chose comme ça. Hein. Ou, oui, de cet ordre-là, possible. En tout cas, avec le 8, ça va vous donner un esprit plus clair, comme si vous abordiez ce début du mois d'octobre avec un esprit plus net, plus clair, plus transparent, plus carré aussi. Hein. Donc, comme vous êtes déjà signe de terre, disons que pour vous, ce n'est pas trop compliqué ça. Les choses en mode carré, ça va, ça vous convient et ça vous ressemble. Alors, le 17 à gauche et le 3 à droite, ça nous fait un 20. Ça nous fait un 20, le jugement. Et la carte du jugement qu'on ne voit pas ici, mais qui apparaît en synthèse, c'est la carte de la renaissance. Ça va passer par quoi, cette renaissance, pour cette fin de mois de septembre et début octobre? Eh bien, ça va passer par ne plus regarder en arrière. Je pense que là, maintenant, vous devez avancer et vous devez reprendre confiance en vous, en votre pouvoir, mais aussi en votre façon d'organiser, je dis vraiment... avec force, organiser votre vie. Vous avez le pouvoir d'organiser votre vie, mais le courage vous a peut-être manqué. La force et les contraintes extérieures vous ont aussi peut-être pas aidé beaucoup. La force vous a peut-être manqué, et les peurs ont peut-être été présentes aussi. Mais là, maintenant, on a l'impression que vous êtes à un carrefour où vous devez prendre conscience de vos capacités d'organisateur, en fait, hein, d'organisatrice, peut-être. Hein. Oui, avec ce 20, la renaissance, ce serait ça. Ce serait continuer le chemin, mais pas de la même façon que j'ai commencé. Continuer le chemin avec moins de peur, plus de confiance et plus d'esprit d'organisation encore, si vous voulez. Parce que vous en avez déjà beaucoup, hein, en signe de terre, c'est un peu normal. Mais vous devez creuser ça. Vous devez creuser ça. On va aller plus loin pour voir si ça parle un peu plus. On a la tempérance et le 5 qui nous fait clairement presque le même chiffre. Hein. 14, c'est 4 et 1 qui font 5. Et 5 qui fait toujours 5. Donc un 5 deux fois, ça fait 10, ça fait la roue de la fortune. Donc autrement dit, le déblocage, quelque chose qui va se débloquer, et tant mieux. Pour moi... Oui, je parlais du passé et des souvenirs, mais je vois vraiment qu'il faut nettoyer ça, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous êtes devant une... Ce qui s'offre à vous, en fait, c'est des responsabilités, peut-être nouvelles aussi.
Est-ce qu'on ne va pas vous demander, une association va vous demander d'être présidente d'une association ou trésorier, président, enfin quelqu'un qui a une position quand même de responsable, hein? On va vous demander un coup de main sur quelque chose. Peut-être un syndicat, je ne sais pas. Parce qu'il y a des capacités de diplomatie chez vous qui sont importantes et les gens aiment ça. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à être mieux compris des autres aussi. Et je pense qu'on va vous demander vos qualités. On va vous demander vos compétences parce que ce sont des qualités que vous n'avez pas encore transformées en compétences. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici au niveau d'une formation en relations humaines, par exemple, hein, pour aller vers la clarté, vers la diplomatie, vers se comprendre, vers ce qu'on appelle vivre en société, tout simplement. On a ensuite ce 7 qu'on voit ici avec le battleur. 5 et 1 font 8 et on a la justice, comme c'était le cas ici pour 6 et 2, 8. Encore cette justice. Elle nous parle ici des capacités à trier, à ne pas garder ce qui ne sert à rien, à aller vers quelque chose de plus carré, de moins fantasmé et de plus réaliste aussi. Bon, pour ce qui concerne le couple, il va y avoir certainement des choses qui vont peut-être bouger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que l'un des deux du couple peut très bien commencer une nouvelle activité, commencer un nouveau quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle fonction, une nouvelle responsabilité, une nouvelle relation avec les enfants, avec vos enfants. Peut-être que quelque chose va être en progrès, en tout cas, c'est ce que je vois. Mais ça va vous demander de la prise de parole claire et nette, quoi. Il faut pas avoir peur de parler, hein. Vous voyez, cette carte de la papesse que vous avez tirée en premier, enfin, que nous avons tirée pour vous, hein, en premier pour la papesse, c'est vraiment quelque chose qui parle d'une vérité non assumée ou un secret, enfin quelque chose qui n'est pas exprimé en tout cas, hein. Ici, au contraire, on vous demande d'exprimer cette chose qui n'est pas exprimée. Donc il y a une libération par la parole, ça c'est clair pour moi. Quitte à déplaire, quitte à déplaire, mais c'est nécessaire. Hein? Alors, 7 et 1, 8, on l'a vu, hein? 7 et 1, 8 aussi, 6 et 2, oui, 2 et 6, 8, je me répète, pardon. 14 et 5, on a vu, 14 et 5, oui, on a vu tout à l'heure, 5 et 5, 10, mais en fait, 14 et 5, ça fait aussi 19. Eh oui, même si ça fait 10 quand même, parce que 19, 1 et 9, 10, d'accord? Mais ça fait quand même 19, le soleil. Donc cette histoire d'harmonisation, que je n'ai pas évoquée dans les mêmes termes, on verra, vous regarderez la vidéo au début bien sûr, c'était en termes d'aller vers la connaissance de vous-même et de réaliser vos responsabilités, de comprendre aussi qu'on peut avoir besoin de vos compétences, toutes ces choses, ça passe par un soleil, ça passe par affirme-toi, ça passe par ça. Et c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de cas pour cette fin de mois de septembre. De gens à qui on demande de s'affirmer quand même. Hein. C'est peut-être pas pour rien. Hein. L'heure, elle est peut-être à ça en ce moment. Hein. Le temps était devenu pour beaucoup de gens de s'affirmer un peu plus, tout simplement, d'affirmer leurs valeurs. Tout simplement. Hein. Alors, mes amis, vous êtes signe de terre, mais vous pouvez aussi être ascendant feu. Hein. Donc, allez voir votre signe ascendant. Si vous êtes bélier ou lion, allez voir le feu. Si vous êtes poisson, vous allez voir l'eau. Et si vous êtes. Ascendant balance, pardon, vous allez voir l'air. Hein. Donc, allez voir les couples des autres éléments, n'oubliez pas surtout. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience et j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vais donc vous retrouver pour les 12 maisons astrologiques, signe par signe, dans quelques temps, puisque je vais bientôt tirer les cartes pour octobre. Je vous retrouve très vite. Portez-vous bien d'ici là. Et puis, merci, merci, merci beaucoup pour vos petits commentaires, pour vos likes. Grâce à vous, la chaîne est référencée. Vous le savez, on va arriver à 3000 hein, dans quelques temps. Là, on est déjà à 2003 presque. Et à 3000, eh bien, vous aurez encore des cadeaux, puisque j'ai offert 4 tarots gratuits, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps. Hein. Vous vous souvenez peut-être. Et on a eu 4 gagnants qui ont chacun
pu me téléphoner pour avoir une voyance gratuite. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux pour que justement elle soit référencée de plus en plus et que au bout de la troisième millième d'abonnés, eh bien, vous receviez des petits cadeaux. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.